Hey, bienvenue pour la suite d'Alien Isolation. On était ici, alors il y avait ce petit terminal, je sais pas s'il va faire quelque chose ou pas. Je sais pas trop où je dois aller. Alors débrancher, désolé. Donc la station s'arrête, ils vont peut-être tout vendre pour des miettes. C'est fini, blablabla. Alors, à tous les employés du terminal. Aucun vol au départ de Sébastopol et aucun vaisseau ne sont disponibles. Qu'est-ce qu'Apollo? Apollo est l'IA centrale qui surveille et assiste tous les lambda de Sexon, de Sixon. Supervise toutes les communications. Vous êtes entre de bonnes mains. Ok. Bon, on n'a rien appris, c'est cool. Alors, bah du coup, je sais pas où je dois aller. On va bien voir. Ça fait tellement bizarre qu'il n'y ait pas d'ombre, quoi. C'est. Mais du coup, je viens de là. Du coup, je vais où? J'en ai aucune idée. Ah, attendez, il y a un truc là. Jones, update du jour. Legend! Suite à de nombreuses demandes, le Marshal Waits a finalement organisé une réunion publique pour répondre Révolte aux au terminal? Pourquoi il y a au un compte à rebours sur mon écran, monsieur? Escomptée, Waits est resté évasif. Ouvrir le conduit. Quelques minutes après, il en suffit pour que son équipe et lui soient la cible de projectiles lancés par une foule en colère. Un coup de feu a retenti. Ça a semé la panique et à présent Waits et ce qui reste de son équipe. Attendez, j'essaie de lire le texte. Ce qui est bête, c'est qu'en fait, généralement, quand je fais mon let's play, j'ai pas le temps de tout analyser. Et donc, c'est généralement au montage que je me rends compte de ce que je rate parce que. Voilà, je suis un homme, je ne peux pas jouer et écouter en même temps. Je ne peux faire qu'une chose à la fois. Je ne peux pas commenter et suivre le jeu, c'est impossible. Généralement, au montage, je lis mieux, j'assimile, je vérifie. Et voilà. Il n'y a rien du tout. Il n'y a absolument pas d'alien dans la zone. C'est n'importe quoi. C'est des balivernes ce jeu. Il n'y a aucun alien. Zut. Sortir en escaladant. Debout. Je sais pas où je suis. Est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs à ramasser, vous savez, genre les espèces de camelotes, tout ça. Tout est en train de partir en morceaux. Effectivement, ça j'avais bien remarqué. Ah, je l'ai poussé, d'accord. Ça va être un truc qui ramasse des choses, là. Oula, mon PC. Le jeu a planté. Ok, donc on reprend suite au plantage de mon ordinateur. À utiliser, voilà. Donc j'ai fait, oh, c'est peut-être un truc pour... Je me demande si la manette, là, elle s'ouvre pas. Par hasard. Oh, mon PC. Ça me fait peur. Voilà. J'ai encore remis à jour mes cartes graphiques parce que. Enfin, j'ai trouvé un espèce de driver, je sais pas quoi, officiel, dans Windows Update. Écoutez, j'espère que. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, j'ai eu le bug Nvidia là, genre. Le driver Nvidia a cessé de fonctionner. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas cool pour afficher un jeu quand même, hein. Enfin, voilà. On peut enfin continuer. Alors, donc, nous sommes ici, il y a tout qui part en morceaux, comme a dit si bien Mademoiselle Amanda Ripley, que j'incarne. Il y a plein de boîtes que je ne peux pas ouvrir. Putain, comment ça? Bon, j'ai eu un peu peur, mais c'est surtout que le son m'a fait hyper peur au niveau sonore. D'un coup, le truc hyper, hyper fort, quoi. C'était un alien ou j'ai pas bien vu? Destination. Space. Ah, c'est le terminal de. Ouais, la gare, quoi. C'est rassurant. Bon, je trouve que les lumières sont super bien faites quand même. Je dois dire que je suis époustouflé par les lumières. Ok, ça ne sert à rien. Regardez, on croirait presque que la lumière elle est volumétrique. Oh punaise, mon PC plante encore, quoi. Oh non, mais les mecs ils abusent, quoi. Tu démarres le jeu, tu dois regarder 20 secondes de sponsor. On reprend. Alors, on était ici avant que mon jeu plante. Ah, c'est génial. Je sens que ce let's play ne va pas être facile. Mon PC il meurt, au secours. Voilà. Alors, on est ici. Du coup, génial, moi ça me casse un peu l'ambiance, c'est pas grave. Ça doit sûrement être la sortie. Ça doit sûrement être la sortie. Passer par la salle principale. Je suis juste en train de fixer le dernier attache de sécurité. Rejoins-moi quand tu auras éteint le tien. Ensuite on pourra se barrer d'ici. Putain mec, j'entends des bruits de partout. Le moindre craquement est... Enfin, mal-toi le cul, tu veux. Ouais, je vais essayer de me manier le cul, même si tu me parles pas à moi, c'est pas grave. Alors, quel est cet endroit?
Ah, encore un truc à allumer. Un, deux, trois. Spook. Lumière. Ah, ça a ouvert un autre truc. Attendez, j'ai envie d'aller voir par là, moi. J'ai envie de ramasser des objets qui me permettront de construire des choses. Mais c'est un vrai labyrinthe, attendez, carte. Il y a trop de trucs, monsieur, je sais pas où je peux aller, où je ne peux pas. Bon, là, c'est un super endroit. Outil de maintenance requis, d'accord, ok. Ok, là, c'est un raccourci, en fait. Il y a un bruit. Ah oui, avant que vous me disiez que ma carte graphique surchauffe, là elle est à 52 degrés ma carte graphique. Ce qui est pas forcément bien beaucoup. Je me souviens, des fois je monte à 70 et ça va encore. Là elle est à 50, donc voilà. Enfin voilà, genre on joue à Alien Isolation et en même temps on essaie de dépanner le PC de William. Hein. Vous voyez, c'est une nouvelle étape dans les let's play sur YouTube, voilà. Alors, bah ici en fait il n'y a rien, donc j'ai dû allumer quelque chose d'autre. Je sais pas pourquoi j'ai ouvert ça en fait. À mon avis, il faut que je monte les escaliers là. Ah, c'est tous les morts, genre ils ont été. Ah, j'ai pas vu. Ah, je vous marche dessus, je suis désolé. Ça, j'ai déjà lu. Ouais, si ça se trouve, c'est. Ouais, bah voilà, on les a mis là. Fuck les marshals. Ok. Looters will pay. Ceux qui dépouillent les morts vont payer. Ceux qui dépouillent, enfin les voleurs, enfin voilà. C'est bête, ils ont même pas traduit les tous les tags et tout ça, vous voyez, c'est dommage. Maintenir pour se cacher, génial. J'ai pas envie de me cacher. Marqué quoi? Oh, ça a bien l'air d'être un poste de surveillance, dis donc. C'est Turner. Fois, il a presque pété la porte avec un cric de maintenance. Il doit sûrement se croire en sécurité ici, il veut s'y enfermer. Qu'il aille se faire foutre. On a d'autres chats à fouetter que de babysitter des poivrons. Enfin bon, babysitter des poivrons. Clé dans le coffre des pièces à conviction. Laisse ce connard cuver. Pièce. Là, il y a encore une porte, et là aussi. J'essaie de chercher des objets aussi également, en plus. Ah, une magnifique mare de sang. Ça s'écrit à l'envers, je sais pas ce qui est marqué. Allons par là. Bonjour, il n'y a personne ici. Ouais, je vais essayer de faire des épisodes un peu plus longs malgré que mon PC plante, alors c'est pas grave. Mettons une radio. Non. Pas de radio. Il y a encore un espèce de joli conduit. Oh merde. Oh merde, effectivement. Oh, regardez, ça m'a bien l'air d'être un magnifique outil de maintenance, dis donc. Monte. Génial, on met des conduits exprès pour que les humains puissent aller dedans. C'est trop bien. Tout est bien pensé, dis donc. Regardez cet espace dans les conduits où on peut s'insérer, qui pourrait être utilisé de manière beaucoup plus efficace. Genre, c'est vrai, on pourrait faire des petits conduits et que... Voilà, l'espace soit réservé. C'est pas comme si on avait espace illimité dans un vaisseau spatial, quand même. Bon, il y a des traces de sang, là. Ouais, ça va. Genre, j'aime bien, c'est les gros magnétos, quoi. Comment c'est possible? On est dans le futur, c'est pour ça qu'on a des gros magnétos à bande magnétique. Ouais. Ok. Je voudrais soumettre une plainte à la plus haute autorité, c'est compris? Je m'appelle Zachary Watson. Zachary Watson. A-T-S-O-N. Vous avez tout? Très bien. La plainte est la suivante. Les putains de Marshall. Voilà ma plainte. Donne-moi ça, bon sang. Je crois que j'en ai plus besoin que toi. Oh, je balance une petite blague super cool. Outil de maintenance ramassé. Oh, génial, il faut que je fasse méga demi-tour. Ah, bah c'est ça. Boum. Maintenir, clic droit, clic gauche. Appuyer sur Q. Non, c'était le vrai Q. Ah, Dieu, c'est compliqué comme système. Pourquoi il y a eu une méga musique d'un coup là?
retirer la hache. Oh, et puis je confonds la touche, quoi, au secours. Pourquoi Q? Ah, c'est le sens, ok, ok, ok. Je sais pourquoi ils ont choisi Q, puisque une autre touche. Non, c'est le sens, en fait, c'est parce qu'on va vers la gauche. Et ouais. C'est encore un... Oh là 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 là. Ramasse détecteur, pardon. Je l'entretiens Aist. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Aist. Aist. Si t'as pas envie de me dire ton nom, on va être là pour un bon bout de temps. Je veux juste en savoir plus sur ton boss. Il vous a tous mis dans un bordel pas possible. Pourquoi il y a des musiques de fou là? Rendre des comptes. Je vais bien m'assurer que quelqu'un soit responsable. Non? Dur à cuire, c'est ça? Tout est normal. Turner, arrête l'enregistrement. Peut-être que notre ami est juste un peu timide. Sévastopol. C'est... Sévastopol? C'est pas Sébastopol? Attendez, là-bas, il y avait une porte fermée. À mon avis, c'est un gros bonus. Je vais essayer d'y aller. Il y a plein de fumée, maintenant. Il ne va strictement rien m'arriver, vous allez voir. Ça va être super cool. Il me semblait, voilà, cette porte-là. Je m'en souviens. Et... Ouverture de porte. Boum. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi là? Moi j'aime bien savoir à quoi servent les endroits, tout ça. Genre, quel est le but de cette pièce? Ouais, j'ai ramassé plein de bonus, c'est super cool. À quoi sert cette machine? Tiens, mais il y a des photos de dames. Enfin, des dessins. Bon, j'ai ramassé deux morceaux de Camelot, c'est cool. Tiens, là, il y a le même magazine, dis donc. Là, c'est toujours fermé, et là-bas, c'est fermé. Bon. Demi-tour. On va retourner à la porte principale, et on va l'ouvrir. Parce que moi, je suis comme ça. J'ouvre les portes, et puis c'est tout. Pour retirer la hache. Oh, là, j'ai carrément le droit à une cinématique, quoi. Attention. Genre, il y a quelqu'un, quoi. Bouge pas un geste. Ça va, je suis normal. Ok. Maintenant, tourne-toi. C'est normal qu'il y ait personne. Oh, genre, il va me voler des choses. Oh non, il m'a pris mon outil, quoi. Mon nom est Ripley. Et tu sors d'où, Ripley? De l'extérieur. D'un vaisseau. Y'a pas de vaisseau, ici. Maintenant, si. Bah ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça craint pas mal, ici. Il vient d'avoir une explosion. Ça a tout secoué dans le coin. J'ai vu ça. Mais ça... C'est bien le dernier de nos soucis. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Y'a quelque chose sur la station. Un truc assez incroyable. Une bête. Genre quoi? Un tueur. Tu comprends? D'accord. T'es pas obligé de me dire ça en me menaçant, hein. D'accord. Et toi, t'es qui? Axel. J'ai embarqué avec deux collègues. On a fait une EVA. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver? Pourquoi? T'as l'air de connaître les environs. Ah, je veux dire, pourquoi? J'y gagne quoi, moi? Une place sur le vaisseau. Et comment je sais si je peux te faire confiance? Faut que je trouve le centre de com. J'ai besoin de contacter mon... Genre, je vais traîner un PNJ, quoi. Il sort d'où? Alors là, c'est ton jour de chance. C'est parti, poupée. Sixon Communications se trouve dans la tour Systec. C'est pas la porte à côté, mais on peut atteindre un transit par la zone de fret. Mais fais gaffe, on tombe toujours sur un pépin là-bas. Ok. Ouais, t'inquiète pas. Les pépins, ça me connaît. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, ça n'a aucun sens, mais... Je sentais bien que c'était une réplique typiquement de film d'action. J'ai pas envie de m'éterniser ici. Eh ben écoute, je fais ce que je peux, hein. C'était toi qui me suivais, là? Genre, y'a pas de sauvegarde, là. Mes distances. On n'est jamais trop prudent ici. J'aimerais bien que si mon PC plante, je n'ai pas à me retaper mes 15 minutes de gameplay. Oh, je peux pas courir maintenant que quelqu'un me suit. Mon personnage. Quoi? Oh mon dieu, y'a des gens. Ok, d'accord. On n'est pas là pour chercher les embrouilles. Vous êtes qui, vous? Moi, c'est John. Ça, c'est Ringo. C'est juste une paire de connards.
On a d'autres choses à faire. Une paire de connards, quoi. On cherche le centre de com. Vous pouvez nous aider ? On n'a pas besoin de leur aide. Mais si. Tu leur dis rien. Écoute, j'ai réussi à faire marcher l'ascenseur. Janna, tirons-nous d'ici, ok ? Je suis désolée. Bonne chance. Genre, personne ne cède. Je peux aider. Savoir à quoi tu joues. Pourquoi tu leur aboies dessus ? Tout le monde a les boules. Plus personne se fait confiance. C'est plus sûr comme ça. Ah, ils savent peut-être pas que le tueur est un alien. Ils croient peut-être que c'est un des leurs, en fait. Ce qui fait qu'ils se méfient de tout le monde. J'espère pour toi que ton vaisseau, c'est pas des bobards. T'inquiète pas, comment je pourrais être arrivé ici, sinon ? C'est une sauvegarde, oh oui ! Et pourquoi tu mets ta carte dans notre bidule emergency ? Ça vous regarde pas. Ok. Attends là, je m'occupe de l'ascenseur. Non mais j'attends rien du tout, ouais. Moi je te fais pas plus confiance que... C'est un vieux machin, faut un doigté spécial. Un doigté spécial. Genre j'appuie sur deux boutons, il faut un doigté spécial. Moi je te lâche pas de la semelle. Eh ben, qu'est-ce que t'attends comme ça ? Appuie sur le bouton. Genre je croyais qu'il fallait un doigté spécial. Désolé. Essaie de pas faire trop de bruit par ici. Il pourrait y avoir des gens. J'apprécierais grandement que tu me dises ce qui se passe ici. Et tout de suite. Ouais, sur la défensive là. Si tu veux, on retournera sur le vaisseau, on pourra se détendre, se faire des tresses dans les cheveux et papoter autant que tu veux. Ouais, quand on sera sur mon vaisseau. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et pas dans 107 ans. Ok. Comme je te l'ai dit, il y a un tueur dans les parages. Un tueur ? Un tueur, ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je l'ai pas vu, mais il est ici. Ça, c'est sûr. Il nous chope un par un. Tu me parles de quoi ? Un psychopathe ? Un dégénéré ? Non, c'est autre chose. Un monstre. Ah bah mince, mais pourquoi ils ont pas confiance les uns envers les autres ? Demander plus d'informations, eux. Non, c'est pas possible. Punaise, mais comment il est sorti super vite ? Putain, le gars, c'est un ninja, quoi. Attendez, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais... Voilà, c'est ça que je voulais faire, à la base. Je vais sortir mon fumigène au cas où. Appuyez sur R... Ah non, mais ça, c'est mon fumigène. Quoi, faut que je passe devant, en plus. Maintenir contrôle. Et touche de déplacement pour ce... Ah, c'est pour regarder, ouais. Faut qu'on décampe. Par là, baisse-toi. Sans des conneries, ça, putain. Oups, on se baisse. Il mieux de chercher une sortie. T'es complètement dingue. Il y a aucun moyen de sortir de cet endroit. Au moins ici, on est en sécurité. Ouais, mais pour combien de temps ? Et on fait quoi s'ils nous tombent dessus, hein ? Bah, on leur tire dessus. Maintenant, ferme-la. T'es en train de... Je parie, je dois remonter dans le conduit, comme d'hab. Et pss... Oh non, de toute façon, regardez, il y a des bagages. Je ne peux pas passer. Verrouillé. Oh merde. Descends-lui. Va falloir qu'on fasse le tour. Je parie que ça va mystérieusement s'ouvrir. Ouah, le mec a appuyé sur un bouton, quoi. Genre, je pouvais pas le faire. C'est verrouillé, faut appuyer sur un bouton, pourquoi ? Bonjour. Les amis à toi ? Je suis déjà envoyé avec ces gars-là une fois. J'aime pas trop les étrangers, même les gentlemen comme moi. Les gentlemen comme moi. Je te raconte pas de salade, petite. Si tu veux y aller, leur faire coucou, tu signes ton arrêt de mort. Leurs flingues sont pas là pour faire joli. Il faut que quelqu'un agisse. C'est ce qu'ils font. En folie, on appelle ça l'instinct de survie. Bzz, bzz. Bzz. On se retourne tous les uns contre les autres. La peur, ça rend les gens complètement sérieux. J'avais remarqué. C'est un monstre. Moi, j'aurais mis tout le monde au même endroit et on attendrait, et puis voilà. Ah, oh, je m'extirpe. C'est là-dedans que tu vis ? Restez près d'Axel. Le majordome est en vacances. Prends tout ce que tu veux. T'auras peut-être pas d'autre occasion de le faire par ici. Prends tout ce que tu veux, je peux rien prendre. Ah, bah c'est Kaamelott. Ah, bah voilà. Il y a une chaussure. Ça va faire une semaine que je me tire ici en attendant un vaisseau. C'est peut-être vous que j'attends. Ah, le mec, il se crée une petite base. Moi, j'ai un tout. Je pense sombre par ici. Tu devrais prendre et cette lampe torche là. Il y a encore une sauvegarde. Oublie pas de faire le plein de piles avant de partir. Ça, c'est une lampe torche. Mais c'est un casque en même temps, quoi. Oh, je vais pouvoir communiquer avec toi. Tu feras gaffe de pas l'allumer n'importe où. J'ai pas trop envie qu'on se fasse repérer. On y va. Attends, je sauvegarde avant. Tu permets. Bip. Bip. Oui, et ça va terminer notre épisode. Ouais, je voulais faire des épisodes plus longs, là. Le problème, c'est que vu que mon PC a planté deux fois, je sais pas trop quelle durée ça fait. Mais bon, on va arrêter là. Tant pis si c'est un peu court. Donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et ben à plus.